Ayant testé déjà pas mal d'écouteurs, ça me suis dit, ça fait longtemps que j'ai testé des écouteurs, vous savez, de type sportif, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont open, comme on dit. Et là, j'ai trouvé, en me baladant hein, tout simplement sur Amazon, des Baseus Eli Sport 1 hein, Open Ear. Les voici. Alors, ils sont assez sympas. On va voir tout d'abord le déballage, on va voir le design, et puis on va voir bah, tout ce qu'ils nous proposent. C'est parti. Petit déballage plus que sympa, on va avouer que le packaging n'a rien envié à certaines grandes marques et certains écouteurs assez chers. J'avoue que quand on l'a déballé, j'étais assez étonné de voir la qualité de ce packaging. Une fois de plus, une fois que je les ai eu en main, le boîtier, même s'il fait un peu plastique, j'ai trouvé assez sympa le fait que l'on puisse voir les anneaux lumineux des écouteurs à travers ben, tout simplement le clapet, comme ceci, et oui, oui, on les voit à travers. Ils sont aimantés en plus à l'intérieur. On a un petit LED qui nous signale la batterie. À l'arrière, on retrouve un bouton reset et on va retrouver également un USB Type C pour la recharge. Une fois qu'on ouvre le clapet, eh ben, il n'y a pas trop de jeu en fait. Et comme je disais, ils sont aimantés. Il n'y a pas de jeu dans le clapet. Ça, c'est un très gros point fort. Une fois qu'on va les sortir, on a des écouteurs franchement qui sont de très très bonne qualité. Euh, on sent vraiment un petit euh, tuyau en plastique euh, pas trop rigide, on va avoir une forme assez spéciale, hein. bien évidemment c'est des open air, donc pour vous donner euh, tout, le, tout un maximum de sécurité lorsque vous êtes dehors, hein, pour pouvoir écouter ce qui se passe aussi. Et donc du coup ben, on se retrouve avec des petits écouteurs qui ont une qualité de finition qui est franchement très très bonne, limite j'aurais cru que c'était plus mauvais que ça, là c'est une belle surprise. Avant d'entamer la fiche technique, on va parler tout d'abord de l'application. C'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS. Cette application, c'est Baseus, tout simplement. Vous allez en avoir deux. Vous prenez celle qui correspond aux écouteurs. Alors, l'appairage se fait assez vite. Une fois que vous l'avez mis sur iOS et Android dans votre Bluetooth, qui sont connectés, dans l'application, ils sont reconnus directement. Et l'application, on va dire qu'elle est assez simple. Vous avez un shop, vous avez votre compte. Et lorsque vous allez cliquer sur vos écouteurs, bah, je veux dire, vous avez un équaliseur, vous avez euh, un mode, on va dire, game qui réduit la latence, vous avez euh, tout ce qui est tactile pour pouvoir régler le tactile. Franchement, plus simple, on peut pas faire. Petite note spéciale, assez sympa, l'équaliseur. Bah, franchement, j'ai aimé la forme. Ça change un petit peu hein, des bêtes lignes qu'on va monter, descendre, etc. J'ai trouvé que franchement, c'était assez stylé. Donc voilà, pour moi, ça c'était un très bon point. L'application va parler maintenant au ré, du reste, hein, de ces écouteurs, qu'est-ce qu'ils valent en son, la fiche technique, etc. Au niveau des points techniques, on va pas retrouver de réduction de bruit active. Hein. Ce sont des écouteurs de type ouvert, comme je l'ai dit. Mais on va retrouver du Bluetooth 5.3, un petit haut-parleur en néodyme de 16,2 mm. Et il sera dynamique. Vous allez avoir des codecs de type AAC, SBC, une fréquence de réponse qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc, on est sur quelque chose de logique. Un micro sur chaque écouteur et vous allez avoir du tactile, bien évidemment, avec une réduction de la latence dans l'application je ne retrouvais plus mon mot, pour lorsque vous allez faire des petites parties de jeu. Bref, on est sur des écouteurs qui sont assez sympas, avec, bah, des, on va dire, tout simplement, une fiche technique assez simple. Hein. On, il y a des choses que, par exemple, on peut pas se permettre. Mais on va voir qu'est-ce que ça vaut en son. Ça a été testé avec du Apple Music, sur l'iPhone. Et en utilisation, que valent ces Baseus Helisport 1 Open Ear Donc, pour, vraiment, le titre est assez long, donc on va les appeler les Baseus Open. Non, ça va aller un peu plus vite. Eh bien, tout d'abord au niveau du confort. Bon, on est sur un poids total de 84 grammes. 64 grammes le boîtier, 10 grammes par écouteur. Honnêtement, ils se font vite oublier. Une fois qu'ils sont posés, et ça se pose vraiment vite, là, je l'ai posé à une main, comme vous pouvez le voir, il est mis. Honnêtement, au bout de une ou deux secondes, vous avez déjà oublié qu'il est là, pour la simple et bonne raison que vous continuez à entendre normalement ce qu'il se passe aux alentours. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau du confort, on est vraiment sur quelque chose de très, très bon. Maintenant, on va parler de l'utilisation du tactile. On pourrait croire que euh, le tactile, c'est tout le rond. Vous voyez, donc il y a un petit rond euh, juste ici. Je ne sais pas si on le voit bien, comme ça je suis en train de le montrer. On pourrait penser que la zone tactile, c'est ce rond-là, mais en fait non, c'est la zone en dessous. Et donc du coup, on a une plus grande zone tactile. Hein, donc là au moins, comme ça, vous avez de quoi pouvoir utiliser le tactile aisément sans aucun problème donc une fois qu'il est mis vous avez l'écouteur qui est mis et là vous avez ben, le rond et en fait il faut juste appuyer sur le dessous donc maintenant il faudra peut-être euh, un petit temps d'adaptation pourquoi ben, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'écouteur et donc du coup comme ça, ça bouge un petit peu alors, ne vous inquiétez pas regardez je suis en train de faire le débile là, bouger ma tête mais ça ne tombe pas hein, donc je veux dire ça reste assez bien présent cependant si vous êtes en train de courir ce que j'ai remarqué c'est qu'ils auront par exemple des fois une tendance à venir un petit peu vers l'avant, hein, bouger un petit peu vers l'avant comme ceci, je vais le filmer pour vous le montrer dans la vidéo. Et là, ça peut être un petit peu dérangeant si on cherche le tactile. Maintenant, le tactile répond très bien et répond au doigt et à l'œil, il y a aucun souci de ce côté-là. Côté son. Alors côté son, j'ai été étonné parce qu'on a vraiment une très bonne gamme sonore. Alors c’est vrai que qu’on n’a pas le même son qu’un casque supraauriculaire ou que des, ou des intraauriculaires, etc etc. C’est un son qui est totalement différent. Les gens autour de vous, sauf si vous mettez les écouteurs à fond, ben, ne, vont, ne vont pas entendre le son, bien généralement, ça va être un son qui est privilégié pour vous. et donc du coup, ben, c’est assez sympa de pouvoir écouter de la musique tout en tenant une conversation. Si moi j’ai retenu un petit défaut à ces écouteurs- là, c’est que, ben en fait, à partir du moment où j'ai envie de me concentrer au sport, le son a une limite. Donc, je veux dire, j'écoute beaucoup plus fort avec mes Airpods, par exemple, ou des choses comme ça. Et ici, ben, ce son a une limite. Pourquoi ben Parce qu'il laisse justement les bruits environnants venir vous déranger. Donc, on sait vraiment à quoi servent ce genre d'écouteurs. Maintenant, en utilisation, en appel. Je n'ai pas ressenti de déconnexion ou de soucis, etc., en appel, j'entends très bien ce que la personne me dit. Bon, maintenant, si le son est un petit peu fort, que vous avez quelqu'un à côté de vous, faites attention parce qu'il va entendre euh, votre conversation, tout simplement. Les deux micros, eux, font très bien leur travail. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Honnêtement, c'est un son qui est assez correct, quoique de temps en temps, si le bruit environnant est un petit peu fort, il l'enregistre aussi. Mais voilà. Donc, dans un, un dans un ensemble de choses. Euh, sur l'utilisation générale, on est sur quelque chose de propre. Un son qui est franchement bien équilibré. Il est pas trop mauvais, il ne sature pas trop. Vous avez un équaliseur pour le régler à votre convenance. Le tactile répond très bien. Il y a juste la zone ben, qui on se trompe hein, tout simplement. Les ronds sont juste là en mode décoratif. C'est en dessous. Voilà, je veux dire, on a des écouteurs qui sont agréables à porter. Maintenant, parlons de l'autonomie. Et cette autonomie, le boîtier contient une batterie de 600 mAh et j'ai retenu un 62 mAh. Je ne sais pas si c'est par écouteur ou si c'est pour les deux écouteurs. Cependant, je peux vous donner l'expérience que j'ai eue niveau autonomie. Baseus nous promet un petit 13 heures. Ce qui est pas mal du tout. Cependant, euh, à mon utilisation personnelle, je n'ai pu tenir qu'une dizaine d'heures, 10 heures et 10 minutes précisément avant qu'il s'éteigne. Ce qui fait que c'est un petit peu en dessous de ce que Baseus promet. Euh, donc voilà, 3 heures de moins. Bon à ça, vous ajoutez qu'au bout de 15 minutes, ils étaient rechargés à 75% et au bout d'un petit 22 minutes dans le boîtier, ils étaient rechargés à 100% pour dire que la charge ralentit lorsqu'on s'approche des 100%. Vous allez pouvoir recharger les écouteurs environ 6 euh, à 7 fois dans le boîtier, ce qui fait que vous êtes quand même parti pour un certain nombre d'heures, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, bah, ça corrige un petit peu la première erreur. Pourquoi Parce que Baseus annonce au départ 32 heures totales avec plusieurs recharges. Et au final, moi, je me suis retrouvé avec un total qui allait bien au-delà. Euh, on était aux alentours des 55-60 heures, parce qu'il n'y a pas tout le temps j'ai rechargé qu'ils étaient totalement morts. Donc voilà, on a quand même une autonomie qui est on va dire plus longue euh, au final mais qui à la base par écouteur ben oui il manque un petit peu de ce que Baseus promet nous sommes à un tarif en dessous des 82 euros précisément à 79 euros je les ai trouvés aussi en couleur blanc ils étaient à 59 euros je vous mettrai tous les liens dans le descriptif pour ceux qui sont intéressés au niveau euh, bah, des points euh, faibles, euh, je dirais que bah, oui, on n'a pas de réduction de bruit activé de ça, mais ça vient avec la technologie euh, bah, des écouteurs. Maintenant, j'ai remarqué qu'on avait quelques coupures lorsque le Bluetooth était sur du 5.0. Lorsqu'on a du Bluetooth 5.1, 5.2, aucun problème. Sur du 5.0, il y a quelques coupures. Je ne pense pas que ça vient des écouteurs, mais plus du Bluetooth 5.0 qui avait cette maladie de base, donc c'est-à-dire du smartphone. Maintenant, en utilisation, on peut retenir en point fort la qualité du confort, on peut retenir aussi le fait que vous allez avoir un bon son, que vous allez avoir une bonne autonomie, parce que même si à l'utilisation des écouteurs, il manque un petit peu de ce qui est promis, au total, on a une très bonne autonomie. Et donc, du coup, là, on va le retenir. Maintenant, le fait que vous pouvez téléphoner, le fait qu'il y a la sécurité, tout ça sont des bons points forts. Si maintenant je dois retenir un dernier point négatif, de ces écouteurs ben c'est tout simplement ce tactile qui parfois oh, il faut chercher un petit peu l'écouteur du fait que ben, il se positionne différemment dans l'oreille et donc du coup on va devoir le chercher un petit peu il faudra s'habituer que par exemple en le trouvant on va appuyer une fois sur le tactile alors qu'on voulait appuyer deux fois Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du coup, on a de très bons écouteurs qui commencent à être à un prix plus abordable parce qu'à la base, les, tout ce qui était écouteurs à oreilles ouvertes, on va appeler ça comme ça, était vraiment hors de prix. Maintenant, ça commence à être plus abordable et on a quand même des qualités de finition qui sont vraiment euh, topissimes, si ce n'est que le boîtier est un petit peu plastique. Mais il y a cette, euh, ce petit effet stylé avec les LED, on lui pardonnera. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On continue sur la lancée avec d'autres tests, hein, PC, smartphone... Euh, etc etc des télévisions aussi salut